Yo la team des mini-sédogimis, j'espère que vous allez bien, écoutez moi je vais extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Boruto et aujourd'hui on va faire une mission qui consiste à faire un cache-cache avec deux enfants. En gros c'est pas une quête principale genre où il y a des cinématiques et tout, en fait c'est juste des petites quêtes comme ça, donc c'est parti. Oh il est là, commençons notre entraînement tout de suite alors. C'est juste un cache-cache, tu sais, mon père m'a dit qu'être capable de se cacher est la chose la plus importante pour un ninja. C'est pour ça qu'on doit jouer à cache-cache pour s'entraîner avant d'entrer à l'académie. Hé, je vois. Bon, on commence? On va se cacher quelque part dans le village de Konoha et tu devras nous trouver. Prêt? C'est parti. Ok, j'arrive. Village de Konoha, c'est... Ah bah c'est là. Ah merde. Ah ouais, mais si c'est là, en fait, ça va être... Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse. C'est bon. Donc je dois les retrouver. Et si on faisait genre notre bâtard et en fait on les retrouvait jamais comme ça ils restaient... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il peut y faire? Oh mais... Tu es là toi? Eh, il veut pas me laisser passer. Ah ok, pas grave. En fait c'est encore plus simple avec la carte de savoir où ils sont. Mais par contre, ça va pas être très simple pour aller la chercher. Comment je vais faire? Ah ben là. Ah, tu m'as trouvé. Grâce à la carte. J'étais pourtant sûre que tu me trouveras jamais. Que tu me trouveras jamais. On peut dire que tu es un vrai ninja. Assure-toi de trouver mon ami aussi. Ah ok, tu dis que ça. Son pote il est là-bas, ok, alors tac tac, ici on va à la rue principale. Donc pour ceux qui veulent savoir, pour genre se téléporter, on fait triangle et après on fait passer à la carte complète, donc appuyez sur triangle et vous choisissez l'endroit où vous voulez. Voilà, salut toi, ça va? Ouah, tu m'as trouvé? Ouais, je t'ai trouvé avec la carte, grâce à la carte. Ouah, j'étais pourtant sûr de moi. Merci pour ton aide, en tout cas, je crois que je vais devoir m'entraîner encore plus, je ferai mieux. Voilà, en guise de remerciement, l'âme des ninjas de platine x 10. Oh, c'est cool. Attendez, si je reste comme ça, c'est parce quoi? Ok, parler à Konoha au centre de la troisième phase de l'examen des Chunin. Ouais, mais pour l'instant, les gars, on va juste faire des petites quêtes, comme ça. Donc les quêtes en fait c'est les trucs verts comme ça là. Et vous avez juste à parler aux gens et ça vous met des quêtes, voilà. Des trucs à faire. Et pour le cache-cache en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai parlé à un mec qui voulait des choses trap qu'il avait caché un peu partout. Mais sauf que c'était ses outils ninja. Grand, c'est satané corbeau, il me rend folle. Hé, tu es au courant? Il y a un groupe de corbeaux qui se rassemble près de la fosse à Ardure le long de cette route. Je les ai chassés plusieurs fois, mais je pense qu'ils se sont habitués à moi. Parce qu'ils ne me regardent même plus, ils sont tellement méchants. Ça veut donc dire que c'est à toi de jouer. Va chasser ces corbeaux. Ok. Je les ai chassés plusieurs fois, mais... Non. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. En fait, dans la carte, il y a vraiment tout, en fait. Ah oh ouais. What? Je fais comment? Ah là. Vous avez chassé les corbeaux, retournez voir la dame qui nettoie plus loin de cette route. Oh, c'était simple. Attends, c'est que ça? Non. On dirait que tu as réussi, merci. Oh, oh, oh. Rouleau de platine x10, ok. Ah, encore? Maintenant que j'y pense, chasser les corbeaux n'a pas vraiment résolu le problème. Après tout, ils reviendront certainement si seulement nous disposions d'un objet utile capable de les tenir à l'écart. Les émissions de télé-shopping ne débuteront pas avant un certain temps. Peut-être que le camelot qui vend des babioles dans la rue principale a quelque chose pour nous. Ah ah, rue principale, tu as dit? D'accord, bah allons-y. Il est tout là-bas, ok. Bah génial. C'est lui? Ah ouais, c'est lui. Bienvenue. Les corbeaux n'arrêtent pas de mettre le bazar dans nos ordures. Avez-vous quelque chose pour les éloigner? Oh si, c'est ce que tu cherches. Oh, si c'est ce que tu cherches, je te recommande le filet anti-corbeau. Tu peux l'acheter pour 5000 rayos. Oh, je ne peux pas
me le permet de prendre un... Je vais vous en prendre un. Voilà. Merci, avec ça, je suis sûr que tu pourras t'occuper de ces corbeaux. Ok, bah d'accord. Tu dis que... c'était où déjà? C'était... Là. Voilà. Place de Konoha. Ouais. Je regarde vite fait. Ok, elle est là-bas. Allez, on va te trouver, petite dame. Ah non, merde, c'est pas la dame, c'est des enfants. Deux enfants. Ok, donc... ah ouais, ok, elle est tout là-bas, c'est vrai. Elle est avec ses corbeaux. Elle est tout là-bas. Ouais, elle est tout là-bas. Oui, oui, youpi. Attends, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais voir un truc. Ok. Pas... Non, mais... Hein, tu as trouvé quelque chose? Vous avez donné un... Eh bien, ça m'a l'air très utile. Tu l'as acheté pour moi? Je suis sûr que ça tiendra ces satanés corbeaux à l'écart. Hihihi, merci beaucoup. Attends, la dame s'appelait quand même Dame qui nettoie. Hein. C'est pas possible. On va faire beaucoup de quêtes. On va faire, allez, quelques... Allez, 10 quêtes. Un peu, quand même. Comme ça, on aide bien les villageois. On a le jeu en 100%. Non, je déconne. En fait, je sais même pas combien de pourcents j'ai. Je vais regarder. Ouais. Info. Non, c'est pas là. Quête secondaire, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et bah, je sais pas. Voilà, je sais pas. D'accord, ok. Ouais, mais Dor s'est enfui. Allons, ne pleure pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre chien s'est enfui quelque part. Je suis vraiment désolée de te demander ça, mais si jamais tu vois un gros chien marron près du chemin menant au cimetière, peux-tu nous prévenir? On se promène toujours sur cette route, donc il pourrait bien être par là-bas. Alors... Le chemin du cimetière, tu dis? Cimetière... Ah ok, il est tout là-bas. Mais t'inquiète, mon petit, on va retrouver ton chien. T'en fais pas. Un chien, ça revient. Attends, c'est une dame? Nous sommes en paix grâce à tous les héros... Tous les héros qui reposent ici. C'est pour ça que je leur rends visite tous les jours pour les remercier. Pourquoi ne les remercies-tu pas, toi aussi? Vous avez obtenu fleurs funéraires. Tiens, pose ça sur la tombe en face de moi. En face de toi. Ah, celle-là. Oh. Cool, les animations. Vous avez remercié le défunt. Retournez voir la vieille dame en deuil. Oh, la pauvre. Allez, on va t'aider, mamie. Oh, oh, cette tombe appartient à l'un de mes amis. Il est mort lors d'une mission il y a longtemps. Il était très gentil. Il adorait les enfants. Je suis sûr qu'il est heureux que tu sois venu lui rendre visite. Merci. Shurikendor x10. Alors. Ah, il est là-bas, le chien. Ok. C'est lui. Wesh, il est grand. Hein. C'est quoi ce chien? Oh, ça doit être le chien de ce petit garçon. Et ton maître s'inquiète pour toi. Quoi? Le chien est parti? Est-ce qu'il est retourné auprès de ses maîtres? Je ferais mieux d'y aller vérifier. Vous avez trouvé mes dents, retournez, voilà. Mais... près du parc. C'était où déjà? Ah oui, c'était là-bas. Salut, tu as trouvé mes dents, n'est-ce pas? Il a enfin arrêté de pleurer. Merci du fond du cœur. Wouah, Kunai d'or x10 sans récompense. Oh, elle m'a donné du lourd, là. Attends, il y a encore une mission? Ah ouais. Ah non. Maintenant, il y a autre chose dont j'aimerais te parler. Quand notre chien est revenu, nous avons trouvé un anneau dans sa gueule. Je ne sais pas à qui il appartient, mais peut-être pourrais-tu le découvrir. Bien sûr, je m'en occupe. Merci. Mais, anneau perdu. Le propriétaire de l'anneau doit être inquiet de l'avoir perdu. Peut-être que tu devrais chercher dans la zone où tu as trouvé notre chien. Oh là là, j'en ai marre. C'est peut-être ça, non? Je ne le vois nulle part. Où est-ce que j'ai pu faire tomber cet anneau? Ah, c'est vous qui avez perdu cet anneau? Vous avez donné un anneau perdu. Oh, mon anneau! Comment se fait-il que tu l'aies? Eh bien, je l'ai trouvé dans la gueule d'un chien, alors je suis revenu ici avec. Oh, merci, c'est vraiment très gentil de ta part.
Rouleau d'or x10. Tiens, pour te remercier, tu m'as sauvé la vie. Maintenant, je peux l'offrir à ma petite amie. Il sent un peu le chien, quand même. Bah, c'est un peu normal, hein. Si je suis allée prendre l'anneau dans la gueule d'un chien, c'est normal que je sente le chien. Sinon, ce serait pas logique. Il est chanceux. Il est chanceux. Bon bah, décidément, les gars, j'ai voulu... Oh, j'adore, en fait, si vous appuyez, genre, le joystick vers la gauche. Bon, allez, on va mettre tout ça en accéléré. C'est bon les gars, j'ai réussi. C'était long, mais je l'ai fait. Maintenant, on va aller acheter des petits trucs tranquillou. En fait, cet épisode de Légende de Boruto, ce sera même pas le mode du store, ce sera juste une balade tranquillou, des ventes, en gros, un épisode tranquille où j'achète des trucs, voilà. En gros, c'est un épisode un peu tranquille. Ok les gars, c'est bon, j'arrête d'acheter. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui était une vidéo un peu tranquille, où je me baladais un peu, je faisais des quêtes, voilà, en gros c'est ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner, ça me fera énormément plaisir, ça me prouvera votre soutien. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous êtes abonné, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sortirai une vidéo ou quand je ferai des lives, voilà. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eroyumi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, passez une très bonne journée, restez comme vous êtes les meilleurs, et moi je vous dis, bye bye tout le monde. Yo DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this shit right now.